tranquille, parce qu'à chaque fois que vous intervenez, c'est nous qui souffrons. Laisse-les. Pardonnez-nous. Laissez-nous en paix. Il faut nous comprendre. On s'accroche au peu qu'on a. Sid nous avait dit que ce serait difficile. Il faut être patient. Si tu le dis. Partons d'ici. Ah oui, j'ai plus aucun TP en fait. Et donc je suis en bas à gauche de la map. Et tous les TP sont inaccessibles. Ah, repère de Clive. Ah ouais, carrément. On a un repère maintenant. Let's go. Il y a 5 ans. Nous avons détruit ce qui était un symbole d'espoir pour beaucoup, sans leur donner d'explication. Il est compréhensible qu'ils nous pensent responsables de leur malheur. Nous avons beau nous battre pour leur futur, il est vrai que nous rendons leur présent plus difficile. Mais un jour, ils comprendront que ça en valait la peine. Parfois, je me demande si nous sommes sur la bonne voie. Souviens-toi, Sid disait que le pouvoir des cristaux est une prison, et qu'on devait s'en libérer. Il parlait de prendre les choses en main, de forger notre avenir par nous-mêmes, de s'affranchir de nos chaînes. Il me manque. Un monde où nous pourrons vivre et mourir égaux, c'est ce qu'il voulait. C'est ce que nous voulons, et c'est pour ça que je porte son nom. C'est pour ça que nous avons accepté la mission qu'il nous a confiée. Et c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, je continuerai. On arrive, les amoureux. Vous êtes enfin à la maison. Donc on est sur l'eau pour le repère de Clive. Un bon moyen de se faire attaquer par les Léviathans, ça. Un nouveau repère. Il paraît qu'Otto te cherchait. Je pense que tu devrais aller le voir. Pas le temps de s'ennuyer. Sid, tu devrais aller voir Otto. Il t'attend en haut. Ok, merci mec. Ok. Donc voici maintenant dans notre nouvelle temporalité, quoi. Oh, nouveau repère. Finis-moi ça et on pourra prendre une pause. Alors, deux secondes, hein. Ouais, du coup, je voulais voir un truc. C'est ça que je voulais mettre au résurrecteur. Résurrecteur, c'est mon R2. Ouais, ok. Ça va être trop fort, du coup. Ok. Du coup, j'ai quoi? Augmente la rapacité et l'attaque. Ah, c'est pas fou, hein. Du coup, j'ai l'arbre de Ramu. Ah ouais, mais les gars, il y a tellement de pouvoir, en fait. Et regardez, là, on en a que 3. On a Phoenix, on a Garuda et on a Ramu. Ici il y en a encore un, 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 et ici il y en a encore un. On est d'accord ou pas d'accord?
T'as que 4 pouvoirs par branche, c'est un peu chiant. J'aurais aimé qu'on puisse choisir ses attaques. C'est quoi du coup celle-là? Place au sol, une sphère qui émet des charges électriques lorsqu'elle est attaquée. C'est-à-dire... Ah, je la tape, genre, je la mets au sol, je la tape moi-même. Et eux, quand ils attaquent, ok. Ouais, je suis pas. Pas convaincu. Ah, c'est ça l'outil, là. Lance le bâton de ramure haut dans le ciel. Ok, ça, on va la prendre, les gars. 2300. Vas-y, on la prend. Du coup, je pourrais pas augmenter le truc. C'est vrai qu'on pourrait améliorer aussi. En fait, on n'a pas assez de points, je trouve, pour améliorer les choses qu'on aime dans le jeu. On est obligé d'économiser pour acheter tout. Tout aime, quoi. Ok, donc là, du coup, je garde lequel? Il y a celui-là qui... J'aime pas... je crois que celui-là, je l'aime pas. Frappe le sol... Attends, c'est quoi? C'est 3-2 et 3-3. Et c'est mieux 3-3. Hein. Donc c'est ça qui va dégager. Hein. Ok, bon ben voilà. Hein. Ok. Bah, du coup, si vous avez pas remarqué, Clive a enlevé sa marque. Il a brûlé, je crois. C'est bizarre que tout le monde m'appelle Sid. Trop bizarre. Merci de vous tenir. Mais il est là, Cupo, là. Ok, il aura un truc à me proposer après, Nectar. J'ai l'impression que c'est des primes. Ah, ça m'intéresse. Ah, te voilà, Clive. J'ai reçu un message relatant tes aventures ce matin. Victor te remercie. Maintenant, tout le monde me voit comme un renégat. Et en plus, nous avons attiré l'attention de Hugo Kupka, ce qui peut être dangereux. Et les pourvoyeurs n'ont pas voulu qu'on les aide. Du nouveau pendant notre absence? J'ai envoyé Gab en mission pour surveiller les Dalmes. Oh, Gab, il a encore envie. Sonne un coup fourré. Il devrait plus tarder à rentrer. Entendu. Je vais faire le point avec Viviane alors. J'espère que Gab il va pas mourir. J'ai encore du mal à la. Toi, Mando. Bonne soirée à toi. Drôle d'idée de vouloir étudier dans un endroit pareil, même si elle dit que c'est la seule chose qu'elle aime. Merci de passer aussi souvent. Sa façon de penser est unique. On a besoin de gens comme elle. Viviane. Est-ce que je dérange? Ah, tu es rentré. Je me demandais si tu aurais la chance de t'en sortir vivant. Décidément, la mort ne veut pas de toi. Je te retourne le compliment, ma chère Viviane. Oh, j'ai juste été la cible de quelques tentatives d'assassinat, la routine. Vraiment pas de quoi en faire une histoire. Alors, que me vaut l'honneur de ta présence? Tu viens pour une leçon de Viviane Neufcomte? C'est elle qui remplace le vieux? Tu as beaucoup à m'apprendre. Voyons voir. Commençons par les conflits entre les divers états. Le monde est aujourd'hui rongé par le fléau noir et en proie aux ravages de Sid le renégat. Mais en réalité, ce ne sont pas les seules plaies auxquelles Valistea doit faire face. Car tout cela renvoie à l'influence de Sambrek. Du coup, avoir des trucs cristal, ça n'a pas sauvé le fléau en fait. Finalement. Situé au nord-est du continent du Verponant, le Saint-Empire de Sambrek voit depuis plusieurs années son territoire rongé par le fléau noir. Pour conquérir de nouvelles terres, l'ambitieuse nation multiplie les escarmouches avec Valeud, son ennemi de l'autre côté de la mer. Mais cette grande puissance compte dans son giron le primordial Odin. Il n'est pas chose aisée que d'arracher une parcelle de territoire... Oui, c'est Odin contre Bahamut, je crois. Aussi, Sylvestre, le Saint-Empereur de Sambrek, a-t-il tourné son regard vers le Dominion du Cristal, une cible non moins riche en ressources. Il y a 5 ans, alors même que votre groupe s'apprêtait à détruire Chef Drac, Sambrek a lancé une offensive sur le Dominion et l'a immédiatement soumis. Ce
n'est pas par hasard si ce petit pays insulaire est surnommé « Centre du monde ». C'est en effet un point stratégique de la plus haute importance. Le contrôle de cet archipel assure un accès privilégié à l'ensemble de Valistea. C'est précisément la raison pour laquelle la cité-État était protégée par un pacte de non-agression signé par ses différents voisins. Mais Sambrek viola ce traité, rompant ainsi le fragile équilibre entre les quatre. L'Empire de Sambrek, la République de Dalmeki, le Royaume de Valeud et Elanen Yareng, le Royaume de Fer. Chacune des quatre nations se bat pour assurer sa subsistance dans une époque trouble. Les choses sont plus claires. Tout ça ne présage rien de bon. Oui, plusieurs régions du monde sont dans une position délicate. J'ignore de quoi l'avenir est fait, mais qui sait ? Peut-être que le vent de la tempête apportera de bonnes choses au repère. Bien, pour ce qui est du paiement pour la leçon d'aujourd'hui, je te demanderai d'effectuer une petite commission pour moi à titre de compensation. Vraiment ? Bon. Rapporte cet ouvrage au prof à la bibliothèque. Tu lui diras que j'ai trouvé ça correct. Ok. Oh, j'imagine que je pourrais aller faire un tour à la... Non, elle, c'est un autre logo, c'est les cartes apparemment. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Je suis là pour t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur notre monde, voyons. Autrement dit, je suis une spécialiste dans tout ce qui est stratégie militaire et politique. Je me sers d'informations et des rapports que je reçois des quatre coins de Valistea pour anticiper les mouvements du camp adverse et pour évaluer l'état actuel de notre monde. Je veux savoir quoi que ce soit sur ce qui se passe autour de toi. Sur la situation géopolitique présente, c'est bien moi, Vivienne Neufcomte, il faut t'adresser. Je suis toujours disponible pour t'apprendre l'une ou l'autre leçon, après tout, se tenir au courant de toutes dernières nouvelles nous mènera à la victoire, j'en suis certaine. Je sais pas comprendre pourquoi ces dialogues-là, ils les mettent pas en voix. Un peu bizarre, je trouve. Si on m'avait dit... Une enseignante émérite de l'université de Convert, comme moi, finirait par travailler un jour avec Sid de Renegade, je n'y aurais jamais cru, et pourtant, regarde où nous en sommes. Quand je repense à l'époque où mes confrères de l'université essayaient encore régulièrement de me faire assassiner, cela me paraît bien lointain, c'était un peu avant notre rencontre, si mes souvenirs sont bons. Mes recherches risquaient de mettre à jour leurs petits secrets, vois-tu, dans leurs efforts effacer les preuves de leurs méfaits, ils ont tenté de m'effacer moi aussi. C'est alors que tu es apparu, sombre et mystérieux, pour me sauver la maïs. Je n'ose même pas imaginer ce qui m'aurait. Ils auraient pu m'arriver si tu n'étais pas venu m'aider, ok? Après tout cela, j'ai fini par te suivre jusqu'à ton quartier général, depuis je vis ici entouré d'une bande de renégats. Histoire touchante. Il y a bien des teints sur moi, en tout cas, je fais désormais partie de la bande. Quelle histoire touchante, tu ne trouves pas? Le dominion du cristal. Ma chère patrie, lorsque j'y vivais, je n'avais pas besoin de chercher activement des informations, tout était à portée d'oreille. Après, c'était d'oreille, hein. Tu sais, en comparaison avec les autres nations, le Dominion est le producteur de cristaux le plus important de tout Valistea, et qui plus est, ces terres n'ont pas été souillées par le fléau. Hélas, cela fait déjà 5 ans que ma contrée natale est sous l'emprise de Sunbreak, la famille impériale ainsi que de nombreux de leurs sujets se sont même déjà installés dans la capitale. Quelques années, le Dominion a tellement changé, cette nation qui m'était si familière autrefois, je peinerais sans doute à la reconnaître à présent. Personne n'aurait pu prévoir que l'empereur abandonnerait Oriflamme si facilement pour envahir une autre cité. L'audace de sa santé n'a pas de limite à ce qu'on dirait. Ok. Je pense pouvoir te renseigner. Avec les chroniques de Vivienne, vous pouvez consulter un sociogramme avec les personnages importants ainsi qu'une carte interactive de la situation géopolitique liée à l'épopée. Les relations humaines sont complexes. Dans ce sociogramme, vous pouvez consulter des informations sur les personnages importants qui apparaissent dans l'épopée ainsi que leurs relations. Vous pouvez suivre chronologiquement les événements vécus par Clive en naviguant avec L1R1. Ils seront mis à jour au fil de la progression. Ok, donc jeune fille du Nord, Lufto avec moi. Du coup, il y a mon frère. Du coup, il y a Wade et Tyler. Rodney, c'est mon entraîneur. Les parents, du coup, Annabella, la Sassa et Halloween. Et ça, c'est Ambroisie, c'était mon chocobo, mais il est mort du coup ou pas? Pour moi, il s'était échappé. Ah, il a disparu, donc à mon avis, peut-être qu'à un moment, on pourra avoir notre chocobo pour voyager dans les herbes. Moi, je fais R1, du coup, ça avance. Il est mort, du coup, mort. Okay. Personnage mystérieux.
Ah, voilà, tu vois. Hop. Pas mal, hein. Très bien fait, hein. Seed, du coup. Du coup, là, on en est à là. Il est du repère. Auto. Des morts, malheureusement. Voilà. Et après, il y a les... Cette carte devrait t'aider. Carte interactive propose de consulter la situation des différents pays au cours de la popée ainsi que l'activité de Clive au même moment. Vous pouvez suivre chronologiquement les événements vécus par Clive en naviguant sur l'R1. Là c'est pareil. Donc là on était où? Pour Phoenix, machin, etc, etc, etc. Pas mal. Reviens quand tu veux, Clive. Bien pensé pour ceux qui aiment bien voir l'histoire à 100%, bien voir tous les détails. Bonheur de rentrer à la maison et de retrouver les nôtres, Clive. Nous avons un merveilleux foyer. Je me tâte. Mais elle est vivante, elle. J'achète ici ou est-ce que je m'en fais? C'est pourquoi. Il me semble grand, plus grand que celui d'avant, en tout cas. Regardez un peu mon magasin, il est beaucoup mieux, vous ne trouvez pas? Je dois vous remercier. Grâce aux informations que vous me donnez sur la situation dans le monde, je peux faire mon petit commerce en toute tranquillité, y compris à l'extérieur du repère. Oh. Mon chiffre d'affaires n'est pas forcément meilleur ici, mais je suis surtout là pour aider dans ce... Donc c'est pas grave. Pour m'acheter un paquet de produits, après tout, je suis une fidèle alliée de Renegat. Ça fait déjà 5 ans. Il y a 5 ans que l'ancien repère est attaqué, le temps passe à une de ses vitesses. Hugo Kupka avait profité de votre absence à vous et à Sid pour prendre notre maison d'assaut. Tout détruit. Nos vies autant que ce que nous possédions, s'étant quitté ce monde en appelant Sid à l'aide, leur voix implorante hanteront ma mémoire pour toujours. Live. Vous avez succédé à Sid. Promettez-moi que vous ferez tout ce qui est à votre pouvoir pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais. Ah, c'est pas sûr ça. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Et je vais faire ça. Alors, t'as quoi? T'as des potions. Ah, je peux avoir plus de potions maintenant? Je peux en avoir 8? Ça devrait renflouer un peu vos finances. Ah, affaire conclue. Je crois, hein. Ah, j'ai fait vendre. J'ai fait vendre. Quel con. Je suis trop con. Ah, on peut en avoir 4 du coup. Bon, c'est pas grave. Voilà pour vous. Faire un peu d'argent là-dessus, mais. Excellent choix. Elixir, une potion curative suffisante que certains font. Prétendent qu'elle prolonge la vie de ceux qui en boivent. On va en prendre une. Ah, 10 000. Hein. On va pas en prendre une du coup. ok. Là, c'est les mélodies. Alors, si tir chargé a été débloqué, permet d'en préparer un automatiquement et de conserver la charge jusqu'à son lancement, l'effet se répète. Ok. De monter la charge de transcendance 3% plus rapidement. Ok. De monter la charge de transcendance 6% plus rapidement quand les attaques sont subies. Ah, c'est nul ça. Les points de compétence. Ah, c'est pas mal ça. Ça, je l'achète. Voilà pour vous. Il prend l'expérience. Je prends aussi ça en fait. Excellent choix. Et Guil a obtenu 35%. Ah bah je prends tout. Ah mais ok, je vais mettre les 3 alors, c'est trop fort. Ok. Soyez prudent. Alors attends, je regarde si c'est les bons trucs qu'il m'a mis du coup. Non. Voilà. Donc là ça augmente les points de compétences obtenus à la fin des combats de 20%. Ça augmente les points d'expérience obtenus de 15%. Et ça augmente les guilds obtenus de 35%. Voilà. Je mets que des trucs comme ça. Ah, t'es encore vivant toi? Clive, t'as besoin de pièces d'équipement? De remèdes? On a transporté des produits sur le lac. T'as vu ça? Ce serait dommage qu'on se soit donné tout ce mal pour rien, hein? Ok, donc là il y a la mélodie. Repère de Sid, nostalgique. Ok. Cette épée a l'air encore plus chère que celle. Et ensuite il y a quoi? Le forgeron et il y a tout droit. Ok. Il est encore vivant lui aussi. Pour
pourquoi cette fois? Je suis pas plus mal dans ce nouveau repère. On y a beaucoup plus d'espace. Avant, c'était toujours la guerre avec les charpentiers pour le moindre emplacement. Le soufflet qu'a inventé Cid nous sauve la vie. C'est grâce à cette trouvaille qu'on peut bosser ici sans avoir besoin d'un cristal pour forger. On va trouver ce système nulle part ailleurs dans tout Valistea. Je suis vraiment chanceux d'avoir à ma disposition. Donc, sur de bons matériaux, tu me les rapportes. Je forgerai des merveilles dont tu ne me diras des nouvelles. Le temps passe vite. C'est déjà 5 ans que notre ancien repère a été détruit, c'est le temps qu'il a fallu pour repartir de zéro et reconstruire tout ce qu'on avait perdu ce soir-là. On ne pouvait pas baisser les bras si facilement et abandonner notre cause. Pour faire pour préserver ce repère. On est parvenu à une vie encore plus stable qu'à l'époque. Ok. Ok, ok. Je vais crafter la fulgurance. Hein. Je suis content du résultat. Et voilà, hein, le reste, pas fou, quoi. Hein. Bon, à plus tard. Donc là, il reste ça. C'est là-haut, non? Ouais, c'est là-haut. Caron a reçu un nouvel arrivage. Alors, c'est quoi ça? Symbole du serment. Ah, c'est le cristal, ok. Étonnamment, heureusement, un cristal dans lequel sont plantés deux poignards. Il rappelle la promesse que Clive et Cid se sont faites de mettre fin à l'hégémonie des cristaux en détruisant tous les cristaux mères. Gab l'a emporté avec lui lors de l'attaque de l'ancien repère, conservé précisément au nouveau repère. L'objet est considéré comme un symbole du groupe que Cid, de leur cause et de leur engagement. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc, est-ce que le jeu commence vraiment maintenant, en vrai? Et que tout ce qu'on a fait avant, c'était un peu un avant-goût. C'est en tout cas, c'est comment je le ressens. Donc j'ai hâte de voir la suite. Hein. Attendez, avant d'annoncer le dialogue, je vais prendre à boire, les gars, j'en peux plus. C'est pour 5 secondes. Ouais les gars. Allez go. Professeur Harpocrate. Ah mais il est vivant lui aussi. Tiens, voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis fort longtemps. Si bien que j'en viendrais presque à oublier qu'il s'agit du mien. Content que tu sois de retour. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis venu te rapporter ce livre. C'est de la part de Viviane. Hop. Non. Décidément, notre jeune chercheuse dévore les ouvrages à une vitesse exceptionnelle. Si j'étais aussi rapide qu'elle, je pourrais peut-être accomplir plus vite la mission que tu m'as confiée. Malheureusement, je n'ai plus ces capacités. D'ailleurs, j'ai parcouru les livres que nous avons reçus récemment, mais sans y découvrir de nouveaux indices. Hélas, il me sera peut-être difficile de découvrir la véritable nature de cette énigmatique entité que tu as rencontrée, un chef Drac. Je vois. Malgré tous ces livres, même pour un érudit comme toi, la réponse reste difficile à trouver. Si après tout ce temps nous ne trouvons rien, cela doit sortir de l'ordinaire. Actuellement, j'étudie des vieux ouvrages nordiques. Je te dirai si je trouve une nouvelle piste. Très bien, je te remercie. Tu sais, Clive, cet endroit est un paradis pour moi. Je me plonge dans les livres chaque jour en me délectant de fruits et de graines. Mmh. Le prof, il fait rien que de manger toutes les noix du potager d'abord.
C'est vrai, moi aussi je l'ai vu. Même qu'il a toujours mal au ventre après. Allons, c'est très mal de dénoncer et soyez un peu plus respectueux. Je vois qu'ils vont bien. Oui. Ça leur a été bénéfique de venir à la bibliothèque. La mort de leurs parents les a durement marqués. Ils sont parfois tristes. Nous avons tant perdu en ce jour funeste. Des amis, notre ancien repère. Pour ceux qui restent, ces blessures sont encore vives. Il faut plus que du temps pour guérir la douleur. Pardon, Clive. Je parle, mais tu dois être fatigué après ta mission. Je ne te retiens pas. Merci, mon petit pote. Ok. Je ferais bien de me reposer. Ah, on va voir Gab. On va voir comment il est maintenant. Avec son œil en moins. Oh, bah, elle aussi est vivante. Tout le monde est vivant en fait. À peine rentré, tu es déjà en train de rendre service à tout le monde. Te voilà redevenu un simple mercenaire grincheux avec ce visage. Maintenant que je n'ai plus de tatouage, je suis un homme normal aux yeux du monde. Grâce à ton opération, tout est plus simple. En fait, ça élargit le champ des possibles. Quelle douce musique à mes oreilles. Ah, à propos. Je veux dire un truc. Otto dit que tu as reçu une lettre de Gab. Elle est dans ton bureau. Une lettre de Gab ? D'accord. Je vais voir ça. Ménage-toi quand même, hein ? En fait, Gab qui m'écrit une lettre. Je me demande pourquoi. Vous voyez, sur la joue, il y a... D'habitude, on a une sorte de marque quand on est un esclave. Et en fait, quand t'es brûlé, quand t'es opéré, quand on te l'enlève, en fait, bah... Je me tâte. En quoi ça te libère, en fait? Parce que la marque, elle est sur le tatouage et... c'est... En fait, pour moi, c'est pareil, en fait. Et on voit que t'étais un esclave, donc je sais pas. À part s'il y a un moyen de libérer les esclaves et qu'il y a une sorte de clémence, mais sinon ça change rien pour moi. Les lettres reçues par Clive sont accessibles par le biais de la boîte aux lettres qui se trouve sur son bureau. Il arrive que de nouvelles lettres soient livrées en progressant l'épopée dans cette enquête. Monsieur des armées d'Almec. Salut Clive, Sunbreak a conquis le Dominion, mais l'armée d'Almec est en marche pour déloger l'Empire. Les colosses de pierre, pardon. Ainsi de la partie, si tu veux mon avis. Ça va chauffer. Je dirais plus dès que je serai rentré. Ah bah tu vois, Gab, il a le... On l'a vu en bas à droite, il a juste une marque sur l'œil, quoi. Qu'est-ce que Gab nous raconte? L'armée d'Almec marche vers le front. Ce qui laisse Randella sous la surveillance de Kupka. Par conséquent, ses hommes et lui doivent être très occupés. Ils ne devraient pas nous embêter. Tant mieux, alors. Tu te rends compte? C'est l'occasion rêvée. C'est tout ce qu'on attendait. C'est quand qu'on voit Annabella aussi? J'ai hâte de la voir. Le chemin parcouru. Tout ce que nous avons accompli, nos camarades, ce repère, c'est déjà beaucoup, tu sais. 5 ans. 5 ans que nous attendons. Si seulement je pouvais contrôler les pouvoirs d'Ifrit, nous serions bien plus près du but. Mais à chaque fois que j'essaie... Il y a comme quelque chose qui m'en empêche. N'oublie pas qu'il est extrêmement éprouvant d'incarner un primordial. C'est ton corps qui essaie de te protéger. Parce qu'il sait que la transformation n'est pas bonne pour toi. Oui, mais ça veut dire que tu souffres à ma place. Nos pérégrinations m'ont fait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Mais elles m'ont aussi donné une nouvelle certitude. Les cristaux... nous nuisent plus qu'ils nous aident. En échange de quelques moments de confort, nous menons une vie de servitude et de peine, guerre après guerre, deuil après deuil. Et puis... voilà qu'ils détruisent même nos patries. Ils ne nous laissent que des cendres et des regrets. Mais tu veux changer les choses? Nous voulons changer les choses. Et pour ça, je veux bien souffrir. Je sais, mais... Souviens-toi, Clive. Nous sommes en vie parce que Joshua nous a donné une seconde chance.
Nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher ce qu'il nous a offert.